Bonjour tout le monde, bienvenue sur Les Jambes, Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, notre invité c'est Grace Toulomba. C'est pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui a une vie assez exceptionnelle, qui s'est enfui du Congo. Parce que ses parents étaient opposants politiques, notamment son père. Il a été en danger. Il s'est enfui quand il était enfant du Congo. Il est arrivé en France avec absolument rien. Aujourd'hui, il ouvre son restaurant gastronomique à Marseille. Il va nous raconter sa vie qui est complètement folle. Et autre chose exceptionnelle aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais animer, c'est Sébastien qui, d'habitude, écrit les émissions. Vous pouvez vérifier dans tous les crédits des émissions, c'est lui. Euh, et aujourd'hui, c'est sa première émission. C'était mon but quand j'ai créé le média, c'est qu'on soit plusieurs à pouvoir animer euh, et à passer la main aussi. Et donc, je suis hyper content. C'est sa première émission. Donc, je souhaite bon courage. Euh, envoyez lui plein d'amour en commentaire et c'est parti. On regarde son émission. Bonjour à tous, bienvenue sur Légende. Alors c'est pas Guillaume aujourd'hui, moi c'est Sébastien. Habituellement je suis auteur. Vous pouvez me voir dans les crédits des émissions. J'ai reçu Grace Toulomba. Salut Grace. Oui, salut. Salut. Alors pourquoi je te reçois aujourd'hui C'est très simple, c'est que tu nous as envoyé un mail sur la page contact. Oui. Euh, moi j'ai reçu ton mail puisque c'est moi qui les trie en général avec Louis qui est auteur avec moi. Et ton histoire, elle est mmh. incroyable. C'est un film en fait. Là, ouais. Je crois que d'ailleurs, il y a quasiment un projet de voilà, cinématographique derrière. Tu vas nous la raconter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Ouais. Alors, okay. tu, tu es né en République démocratique du Congo, dans une famille aisée, même okay. très aisée. Tu m'as dit qu'il y avait un, un peu un décalage avec le reste de la population. Oui. C'était quel type euh, d'éducation Alors, l'éducation, euh, comment dirais-je J'ai eu une éducation à la française. Donc, euh, mon père, euh, vraiment, s'attelait à ce qu'on puisse avoir tout ce qu'on voulait en euh, tant qu'enfant. Donc, euh, du, déjà, il nous a inscrits dans, dans une école française. Parce qu'à la maison, ils nous interdisaient même, pour te donner un peu une idée mmh. comment c'était à la maison, donc ils nous interdisaient même de parler la langue locale qui est l'ingala. Donc ils voulaient qu'on parle ouais, français, portugais ou anglais, mais c'était interdiction de parler la langue locale parce que. Pour lui, donc euh, il nous voyait plus loin que ça et donc euh, il, vraiment il nous a habitués à une éducation à, à l'occidental. Et tu vous voyais tes parents je, 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 Tu m'as dit ça et c'est un peu halluciné parce que c'était <laughs> trop aujourd'hui. Ouais. Ça s'est fait il y a longtemps. Bah, je sais que quand je, euh, on est arrivé en France les, les toutes premières années, quand j'ai des amis à la maison, mm. ça choquait beaucoup parce que quand je disais mère, vous pouvez me donner ça, mes amis ils étaient choqués, ils me regardaient. Comment tu, ça, disais, Attends, tu disais mère, ouais. pouvez-vous me donner euh, par exemple le à ou un verre d'eau pour euh, mon ami. Par exemple, j'avais un meilleur ami qui était très choqué par ça. Il s'appelait Issam. Et quand il venait chez moi, je disais ma bah, mère pouvait donner de l'eau pour Issam. Et donc, euh, eux, ils étaient, ils étaient assez surpris. Tu Moi, ça, ouais, tu, tu, tu vois ta maman. C'est surprenant quand ce n'est pas ton ouais. habitude, forcément. Bien sûr, bien sûr. Et donc, par euh... contre, tu ne te laisses pas trop côtoyer le reste des gens de ta classe C'était dans un quartier résidentiel un peu privé euh... ouais. Mon père, vraiment, c'était l'idée, c'est que vous restez à la maison. Donc, vous avez tout ce qu'il faut à la maison, donc vous restez à la maison. Et puis, l'éducation se faisait comme ça. C'était les cours, les, les cours de soutien et on reste à la maison. Très rarement, il nous a autorisé d'inviter de, de, de euh, de, des amis, euh, les amener à, à la maison, quoi. C'était, sauf si c'était des enfants euh, d'un ministre ou d'un mm. général ou des choses comme ça. Mais rarement euh, on invitait des, des gens qu'on croisait dans la rue. moi, par exemple, euh, si j'avais des amis, euh, je pouvais pas aller jouer au foot comme les autres garçons. Un ouais, milieu Donc, très, euh, assez aisé, C'est ça. Et pour reprendre un peu, tu me parlais de ton père un peu plus tôt. Tes parents, ils avaient deux boulots euh, assez différents. Ton père oui. était dans la finance. Oui, c'est ça, ça. Et ta maman était responsable d'une chaîne de, de magasins de cosmétiques. C'est ça. Femme. Ton père était un peu engagé politiquement. C'est oui. là que ça a démarré un petit peu les, les soucis. Il était contre le gouvernement en place. Oui. C'est bien ça l'histoire C'est ça. En fait, pour te remettre un peu dans le contexte, c'est qu'au Congo, euh, en fait, c'est la loi du plus fort. Politiquement, en fait, on ne peut pas dire les choses comme en France ici. Généralement, j'ai dit toujours à mes, à mes amis, vous avez de la chance. Au Congo, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut pas se lever un jour cest Dire que tel personnage politique, il, il fait mal ce, son travail. On peut pas aller à l'encontre en fait de, des politiciens en place. Donc, euh, quand tu, tu dis es... la loi du plus fort, c'est à dire que celui qui est le plus fort, qui domine, oui. peut se débarrasser des autres. C'est un peu ça l'idée. Exactement ça. En fait, l'idée c'est que plus tu as du pouvoir, bah, plus tu contrôles en fait euh, ce qui se passe dans le pays. Et c'est exactement ça en fait que mon père voulait dénoncer parce que bah, le problème c'est qu'au Congo, il n'y a, a pas de classe moyenne. C'est soit vous êtes très riche, soit vous êtes riche, et soit vous êtes très pauvre. Donc il n'y a pas vraiment de juste milieu et donc ce qu'il dénonçait aussi c'est par rapport à ça la corruption qui existe encore aujourd'hui à l'heure actuelle au Congo et tout ça en fait il essayait de dénoncer en fait le but c'était même pas de créer une, un mouvement politique en soi c'était vraiment juste dénoncer en fait des inégalités qui existaient c'est pas normal qu'on puisse être dans une, dans un pays dit euh, démocratie, et puis qu'on qu qu puisse encore avoir des, des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez reçu des pressions Qui vous met de la pression À l'époque, donc, euh, c'est le pouvoir en place, donc, Kabila, donc, euh, Kabila, le fils, qui est mmh. au pouvoir. Donc, très vite, en fait, ce que mon père organise, les meetings qu'il organise, ouais. très vite, ça crée, en fait, un, un engouement tout autour de ça, bah, parce que les gens, du coup, ils se reconnaissent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il qu veut défendre, comme, euh, comme, euh, comme vision, donc, du coup, bah, très vite, ça crée de l'engouement, et donc... Euh, Très vite déjà, on a commencé à avoir un peu des retours disant, bah, faudrait arrêter, faudrait stopper ça parce que ça plaît pas trop, machin. Et donc mon père, bah, têtu es qu'il est, il a continué. Ton père sûr. était connu au, au Congo. Il oui. était connu pour son action politique. Oui, et lui et son groupe, en tout cas, ils étaient connus donc, par rapport à tout ça, par rapport aux événements qu'ils organisaient. Et donc suite à ça, donc, bah, on a eu un premier événement donc, qui s'est passé. En fait, il a été invité dans un espace de congrès où on parlait justement de l'émancipation de l'Afrique de et des libertés des, des, des personnes. – Donc il avait quitter la maison, c'est ça oui, Il était en déplacement ?– C'est ça, il était en déplacement, donc euh, il était euh, dans un pays voisin, l'Angola, donc euh, nous on était restés euh, au Congo, et puis c'est euh, là qu'on a eu le premier gros événement qui, qui a marqué toute la famille. – Toi tu es dans, dans ta famille, pour reprendre oui. un petit peu ton contexte familial, – Donc ta maman, t'as as des cinq sœurs. C'est ça. T'es le plus l'aîné, t'es le, le plus jeune. Alors moi, je suis l'aîné avec ma sœur, donc euh, j'ai une sœur jumelle, donc euh, qui s'appelle Bénédicte. et moi je suis donc euh, son jumeau du coup. Okay. Et puis après, oui, bien sûr, derrière j'ai euh, quatre autres sœurs, donc euh, du coup voilà, je suis le, <laughs> le seul garçon de la famille. Et toi, t'as 10 ans quand ça se passe, ça se produit. Ouais, hein, C'est ça. À l'époque. Donc euh, le premier événement quand ça arrive, j'ai euh, ouais, entre oui, 10 ans, 11 ans. Très vite, les choses s'enchaînent, c'est-à-dire que bah, mon père, lui, il est donc en déplacement, donc il fait ce grand meeting. Où il parle, il dénonce en fait les inégalités qu'il y a au Congo, euh, euh, comment les, le peuple souffre en fait des, des inégalités qu'il y a, et puis comment il y a la corruption au Congo. Et donc suite à ça, donc ça a vraiment une résonance, donc ça s'est diffusé donc au, en Angola et au Congo. Et donc suite à ça, bah, très vite on va avoir donc les premiers donc les premiers les premières retombées. Donc euh, moi donc euh, l'armée débarque chez nous parce qu'il faut savoir qu'au Congo en fait c'est rarement la police qui traite ces genres d'affaires. C'est que quand on a un problème au niveau politique ou même si on a un problème avec des opposants, c'est directement l'armée qui traite ça. Donc, tu veux dire que c'est le gouvernement qui dit voilà. il y a un opposant à cette maison, dans cette maison, avec sa famille, ça. on envoie une milice ou l'armée, ils viennent, eux, faire de la pression C'est ah, ça. Donc, au euh, euh, début, comme je disais, c'était d'abord des lettres des menaces, des choses comme ça. Et puis après, donc, là, vraiment, ça est, directement, c'est passé au niveau supérieur. Donc, il euh, y a eu donc, euh, un jeep des de, 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 de militaires qui ont débarqué à la maison. Donc, ma mère très vite, donc, quand elle voit les, les, les militaires arriver, elle demande de rentrer. Parce que vous avez du personnel de maison en plus. Oui, c'est ça. Donc ça, elle cas reste cas. avec le personnel du, euh, de la maison pour essayer de parler avec eux, savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, donc très vite, j'entends des cris. Moi, en tant qu'enfant, j'entends des cris, j'entends un peu, ça, ça chamaille un peu. Donc du coup, par curiosité, parce que c'est ma mère, et forcément, ah, donc, je sors donc, pour savoir ce, qu ce qui se passe. Donc je sors dans le jardin, et donc du coup, donc, je vois très vite, ça s'agite. Et là, un, un des, 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 des militaires me, me prend par la main en me disant bah, Comme il n'est pas là, on va partir avec le fils. Et donc, euh, c'est comme ça que les, les premières, euh, mes premiers problèmes ont commencé. Donc, il, le militaire t'embarque ouais. littéralement à 10 ans. T'as ouais. 10 ans, en fait. Ta mère ça. est là, t'as tes soeurs autour. C'est ça. Et t'embarque euh, pour aller au moins à ce moment-là Moi, au, au début, je, je milite un peu pour remettre vraiment dans le contexte. Donc, je, je lutte un peu. Je ne veux pas partir. Donc. Okay. Euh, et là vraiment pour montrer qu'il qu 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 a le droit de faire ce qu'il veut, donc il sort un cutter. J'ai encore la cicatrice au niveau du bras. Tu l'as qui... Ouais. Tu vraiment Ouais, bien sûr. Donc euh, il, il sort son cutter et là il me ah ouais, as une cicatrice. il m'ouvre, il m'ouvre ouais. le bras, et il me dit mais non tu viens ou tu meurs. Et donc, du coup, bah, pas le choix, forcément. Donc, et quand ta mère on... est à côté, en plus. Ouais. Ma est mère, que... est forcément, impuissante. Ouais, impuissante, elle pleure de, de toutes ses larmes. Il y a tes sœurs à côté qui ont d'entendre C'est ça. Aussi. Enfin, donc, euh, donc, suite à ça, donc, ils m'embarquent, ils partent avec moi. Okay. Donc, euh, ils m'amènent au cachot. Et euh, donc, ma mère, bah, elle fait le nécessaire. Donc, elle appelle mon père en urgence en disant bah, Ton fils a, a été pris par l'armée, donc reviens vite. Donc, euh, mon père, obligé d'interrompre un peu ce qui se passait, du coup, en Angola pour revenir euh, d'urgence au Congo. Donc, moi, du coup, bah, tu es. Vite. Toi, on t'a pris, on ouais. t'a embarqué dans la voiture de camion, camion militaire. C'est ça. Et tu vas dans un cachot. C'est ça. Mais à quel moment l'armée met un enfant au cachot Ils t'en dit ce quoi Ils te parlent Ils te, te demande de dire la même chose C'est assez paradoxal. Enfin, des fois, on, je, on en discute avec des amis et de fois, j'en rigole parce que je leur dis Mais quand je vois la prison en France et, et ce qui se passe, même au Beaumet à Marseille, c'est le grand luxe. Ouais. Les mecs, ils ont des télés, des frigos, des, de la PlayStation. Enfin. Oui, puis à 10 bon, tu vas rarement en prison en France. Voilà, ouais, même, et puis, là... je me dis, mais au Congo, tu vas en prison quand tu ressors de là. C'est-à-dire que tu es, es tellement formaté, reformaté, qu'il y a un reset qui se passe dans ton cerveau que tu n'es... Tu n'as plus envie de recommencer. Et donc, ouais. en fait, des cellules, il faut dire commencer. Hein. Donc, les cellules, c'est des, des fait exprès pour qu'on ne reste pas debout. Donc, euh, tu es toujours forcément à, à, accroupi comme ça ou assis. Attends, comment tu Je ne comprends pas trop la, la disposition. Tu dois, c est, c est, elles sont basses C'est-à-dire, oui, c'est fait exprès pour que tu restes euh, de façon à... Euh, enfin, que tu, tu restes assis. Donc, on, on fait euh, des, 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 des cellules, en fait, euh, pas à la taille classique. Très confortable peu confortable en fait. C'est ça. Donc, euh, les toilettes, c'est sur place faut le rappeler. Dans la cellule. Ouais. Donc on fait. Euh, ah, t'es dans pas... un confort vraiment euh, zéro. Non, mais il n'y a pas de confort. C'est pour ça que les, les... quand je dis que les personnes qui partent en, au cachot, au Congo ou en prison, ils ne veulent pas y retourner parce qu'ils savent que réellement, c'est pas quelque chose, humainement, c'est pas quelque chose qu'on veut vivre. Quoi, oui, mais enfin, toi, t'as rien fait. T'es un, un gamin, t'as as fait. Surtout 10 ans. que. Ouais. T'as tu... pas ta place dans un cachot. Ça, Surtout, c'est ça, en tant que gamin, en tant que personne, c'est que quand on se retrouve dans cette situation-là, bah, très vite, c'est. Moi, je sais que bah, je n'ai pas mangé, parce qu'en en fait, il faut rappeler aussi en, en, le Congo, comment ça fonctionne, le principe. C'est que si vous voulez manger, donc la nourriture, elle n'est pas donnée, naturellement. C'est que si vous, tu veux manger, c'est en nombre de, de, de louches que tu vas manger, c'est en nombre de coups de fouet. C'est-à-dire qu'une louche, on va Attends, te… – En prison, ouais pour manger, tu as un coup de fouet pour chaque louche qu'on va te verser ?– C'est ça, et il euh, faut savoir que les, les coups de fouet, c'est pas juste un coup de fouet, c'est-à-dire des câbles électriques comme ça, qu'on qu va frapper sur ton dos. Donc moi, je vois des, 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 des adultes pleurer devant moi, à ton confort, Bah non. – je tu ne mange pas ?– Je ne mange pas, donc ma mère qui revient, essaie de, 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 de soudoyer un peu les, les, les mecs en disant, bah, écoutez, euh, tenez… Je vous donne ça comme argent, laissez, euh, je, lui, je lui ai rapporté, laissez-moi lui donner à manger. sa mère vient de voir, c'est ouais, ça Elle ouais. vient me voir en attendant que mon père arrive, elle passe euh, quasiment euh, toute la nuit euh, là à l'accueil, elle attend et de temps en temps elle revient. C'est elle... plus d'une nuit quand même euh... Ouais. Donc les temps que mon père arrive, parce que bah, eux, ce qu'ils voulaient vraiment, c'est que Ton père rentre. mon père soit là. Et comment ça il se termine entend. cette histoire bah, Mon Ton père, père débarque le lendemain, euh, bah, il a pris le premier avant qu'il y qu avait, donc il, il débarque le lendemain avec. Euh, des, des personnes enfin ces gardes du corps et un, un avocat donc ils essayent bah, de, déjà dans ces genre de situation un avocat ça sert pas à grand chose donc il a très vite compris que ça servait à rien et puis après donc ils font passer le message clairement en lui disant écoute bah, maintenant tu as compris ce qu'on veut te dire donc soit tu arrêtes de, de faire tes meetings et tu, tu arrêtes d'organiser tout ça soit ben bah, on va on va on va passer au niveau supérieur donc euh, du coup il me libère comme ça donc son père dit ok c'est bon j'arrête voilà Ou je me calme donc, donc eux, ils sont donc, contents, ils ont un opposant en moins. C'est ça, mon père. Donc, euh, là, déjà, il prend, déjà, donc, euh, il prend conscience de, de la gravité des choses. Mmh. Donc, il commence à réaliser. Et donc, il dit Ok. Là, il s'excuse ou pas Qu'est-ce qu'il te dit, ton père Parce que, quand même, si tu te retrouves au cachot, mmh. c'est parce qu'il a fait de l'opposition politique. Oui. Il te parle, il t'en parle, il ex s'excuse. Au, au début, il ne m'en parle pas. Il y a une forme de, 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 de honte, un peu. Mmh. Tu sais, quand il se passe quelque chose que tu n'assumes pas. Ils sont responsables. Ils voilà, ils se sont responsables. Même. Et donc, ils ne m'en parlent pas. Mais euh, c'était simplement des petits regards du style euh, j'espère que ça va. Quoi. Donc, Le euh, classique, mon euh, ouais, fils, euh, on se dit pas les choses. Surtout qu'en qu Afrique, euh, vraiment exprimer ses sentiments, c'est très tabou. Enfin, moi, par exemple, je sais que j'ai dû avoir deux fois où j'ai entendu mes parents me dire je t'aime ou je suis fier de toi. Mmh. T'en parles dans euh, ton livre. Ton livre s'appelle ouais. Le voyage de toute une vie. C'est ça. Audition Gosen. Ouais. Donc c'est l'édition du sud, j'imagine. C'est ça. ça. Et euh, dans ce livre, tu parles un peu de, du rapport que tu as avec ton père. Mm. Il te, tu le prends pour un dieu en fait. C'est un peu ton père, c'est tout quoi. Ah oui, parce que moi, euh, c'est lui d'ailleurs qui m'a transmis cette passion pour l'écriture parce qu'il écrivait aussi à côté. Donc euh, et euh, déjà, enfin faut remettre, enfin pour te remettre un peu dans le contexte, moi j'avais tellement de moments rares avec mon père que même quand Parfois, on sortait dans la rue, que ne serait-ce qu'on sortait, c'est-à-dire qu'il me disait, bah, « Viens, accompagne-moi quelque part, je vais à tel endroit. » Je me sentais le plus heureux du monde. Mais vraiment, c'était... Parce qu'en fait, il y avait une telle tension, une telle pression venant de mon père, parce que pour lui, il fallait qu'on soit les premiers à l'école, il fallait qu'on fasse ça, machin... Tu nous parlais des lettres de menace. C'est quoi une lettre de menace Ça ressemble à quoi, en fait bah, Une lettre de menace, ça, ça ressemble généralement à quelque chose où on vous dit clairement, en fait, euh, « Arrêtez ». Vous mourrez. En fait, c'est même pas, On vous donne pas l'option le, 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 de dire ben, de vous expliquer. On ne en fait, Voilà. On vous, demande de... même, on vous convoque même pas. C'est-à-dire que je me rappelle un des exemples qu'on qu qu a dit, euh, qu'on a rappelé du coup à mon père, c'est on, on a donné un exemple d'un roi euh, à l'époque. Il s'appelait le roi Mobutu. Ouais. Lui, en fait, c'est un grand dictateur. Et donc, quand il y avait un opposant, c'est lui, il s'embêtait même pas. C'est-à-dire que il empoisonnait carrément tout un quartier. Et donc le lendemain, il y avait des, des centaines ou des dizaines de milliers de morts. Donc lui, sans... et donc il, il, il disait à mon père, donc si tu veux pas avoir des morts sur la conscience, ouais. donc arrête avant qu'on fasse euh, euh, pire quoi. Et donc euh, c'est parce que, enfin aujourd'hui encore, on en rigole, enfin euh, on en rigole, on en parle avec des amis avec légèreté en disant euh, mais manifester en France c'est rien, c'est comparé à là-bas, c'est Enfin, bah, une fois comparaison quand... entre la France et la France. Parce que, que des fois, quand ou... je vois des caricatures d'Emmanuel Macron, je me dis mais c'est rien, c'est vraiment rien. Parce que là-bas, on ne peut pas faire ça d'un président. Ça m'énerve vraiment... de voir en fait, les infos qui parlent de petites choses. Quand mmh. toi, tu as vécu des choses beaucoup plus dramatiques, c'est des choses qui te tiennent à l'esprit. Oui, c'est surtout que en fait, je, je, je me rends compte, à tant que personne, aujourd'hui, j'ai la chance, du coup, et je merci pour ça, donc, de vivre en France et de, de voir un peu les le, côtés, d'avoir vécu les deux côtés. Et je me dis, des de, de fois, on ne réalise toujours pas que bah, la chance qu'on a, des de, de fois, de, de vivre des <laughs> dans un pays où on peut dire des choses, on peut passer à la télé, dire des choses sur Emmanuel Macron qui nous dérangent. Mais en Afrique, au Congo, par exemple, on, tu dis quelque chose comme ça d'un président, tu n'auras même pas fini l'émission quand tu attends des gens <laughs> en sortie. bas les, ah, ouais, oui. les, euh, du bâtiment. Quoi, donc, euh, mais tu parlais des prisons aussi, tu parlais ouais. des beaux parce que tu es de Marseille, donc tu connais un petit peu le, le, ouais. les prisons de la région. Euh, pour toi, de voir qu'en prison on peut avoir des PS4, on peut jouer en réseau, mm. c'est des choses qui te surprennent, qui t'énervent ça, ça me dépasse à un, un, un niveau, mais tu peux même pas imaginer. Je me dis, mais ces mecs-là, en plus, après, je, je me suis un peu renseigné en quelque sorte sur le, comment ça fonctionnait la prison. Mm. Ben, apparemment, c'est financé par des impôts. Je me mm. dis, mais c'est inconcevable de dire qu'il y a des mecs qui, qui ont fait des choses, des, des choses vraiment horribles et qui vivent. Dans des conforts extraordinaires. Et je crois que j'étais tombé sur une histoire comme ça où un gars, carrément, euh, parce qu'il était sans-abri, il cherchait du coup à aller en prison parce qu'il disait, bon, au moins là-bas, je vais avoir le confort. Et je lui dit, mais c'est quelque chose qui. C'est inconcevable que quelqu'un de normal ou moi-même, des criminels ne veulent pas aller au Congo euh, en prison parce sure, qu'ils savent que. La peur de la prison, en, en, en fait. Ah, mais clairement, qu c'est que que quelque chose. Euh, quand tu sais que tu dois, avant de manger, tu vas avoir des coups de fouet, et quand tu sais que bah, tes toilettes, c'est au surplace, tu vis dans des conditions, mais. Tu peux en fait tu peux mourir en prison c'est même et si tu meurs en prison ben pour eux ils n'ont ont pas de justification enfin ils ont pas de justificatif à, à donner à la famille enfin, ils, ils ont pas justifié donc tu meurs tu meurs en tant puis fini, la famille dira rien en plus c'est ça y aura la peur d'être d'avoir un suivant sur la liste c'est exactement ça et puis surtout tu vas poursuivre qui là-bas on ne poursuit pas l'État donc ça n'existe pas c'est ce genre de choses c'est que en Europe ça existe donc euh, voilà pour reprendre un petit peu, après ce premier moyen de pression qu'il y a eu sur ta famille avec toi au cachot, mm. il y en a eu un deuxième, un peu plus dramatique, puisqu'il y a eu un mort. Oui. Tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé au deuxième moyen de pression Alors, euh, au deuxième coup de pression, donc, euh, donc pendant quelques temps, mon père a stoppé, donc euh, okay. ça s'est calmé. Mais comme je disais au début, c'est que mon père, c'est quelqu'un d'être très euh, têtu, donc... Euh, et quand... Il est obstiné. Je pense que j'ai hérité de, de ce côté-là aussi. Bah lui, il Quand... avait une mission pour lui. Ouais, c'est ça. Tenait à cœur. Pour lui, c'est vraiment un objectif qu'il avait une mission et qui qu voulait y aller à, à fond et vivre ce, ce truc-là à fond. Et donc, en fait, il en a parlé à son groupe. Donc, ils, ils étaient une dizaine de personnes. Ils ont dit Ok, là, on va passer, un, on va faire, un, on va dénoncer ce qui se passe en, en prenant aussi par rapport à mon fils ce qui s'est passé. On va vraiment essayer de médiatiser ça pour que tout le monde entende. Et vraiment, on va essayer même. De, de faire en sorte que ça résonne même au niveau international. Que ton histoire serve ouais. un peu leur cause, finalement. C'est ça. ça. Et quand tu dis des personnes, des amis de ton père, mm. c'est pas, moi, des... si j'ai des potes, je vais pas monter un parti politique avec eux. C'était mm. des gens influents du Congo C'était des gens qui avaient du pouvoir Des gens qui avaient des y avait, y, et Alors, il y avait des avocats, il y avait des hommes d'affaires. Donc, euh, après, c'était pas des personnes influentes. Bah, elles, elles sont devenues influentes puisque, bah, du coup, on parlait d'eux. Et donc, euh, normal. Et puis, euh, en fait, c'est vraiment de ces très proches collaborateurs. Donc, parmi eux, il y en a un qui... qui, qui il les a trahis, quoi, en quelque sorte, parce qu'au fur et à mesure, en fait le gouvernement se rapprochait un peu de toutes ces personnes-là. Et donc, ouais. on achète des personnes, comme on disait au début, au Congo, il y a beaucoup la corruption. Donc, euh, du coup. Ben, T'as déjà euh... vu ça, toi Des gens euh, acheter des choses Ça se, ah, mais ça se Congo, en réputation ou c'est vraiment. C'est. Même à l'heure actuelle, j'ai encore des amis qui sont. Enfin, moi, ça fait 18 ans je suis pas retourné au Congo, mais à l'heure actuelle, j'ai des amis qui... qui vont au Congo, qui me disent, même à l'aéroport quand on arrive, on, on paye comme ça, c'est-à-dire que les mecs, ils savent et que c'est comme ça, c'est rentré même dans les mœurs, c'est que, quelque chose qui, qui est normal. Donc euh, je crois que s'il y avait un, un comédien qui rigolait sur ça, on, tu arrives, comme ça, on te dit « il manque une page dans ton passeport ». Ça veut juste dire <laughs> que en fait, t'as pas mis l'argent. – euh, Ah, c'est le billet en fait, le billet ça. dans le passeport, c'est la page ça. supplémentaire. – C'est ça, on va te dire, on, tu vas arriver avec ton visa en règle, ils vont te dire « monsieur, il manque une page ». Tu vas te dire « mais comment ça, il manque une page ?» Tu vas regarder, tu vas dire non, il ne manque pas une page. Tu vas lui donner, il va te dire non, il manque une page. Et c'est pour les étrangers ou c'est globalement pour tout le monde Mais généralement, c'est pour tout le monde. Et puis après, en fait, ils ont un peu de méfiance, mais non. Euh, quand ils voient que la personne est étrangère, donc ils se méfient un peu. En... Et... Mais généralement, c'est pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Et surtout quand tu es noir et de nationalité française ou autre, enfin, tu n'es pas de nationalité congolaise, alors là, c'est pire. Ils ont une mauvaise image de ça Tu ne retournes pas là-bas parce que tu penses que. Tu serais mal accueilli Il y a une raison Alors, particulière Alors, moi aussi, je retourne pas parce que déjà, je sais que mon nom, euh, je vais sûrement parler et je sais que ça, ça va déranger. Et Allez, donc, force... à, enfin, enfin, à l'heure actuelle, je sais que si je vais, je vais essayer de reprendre un peu ce que mon père avait fini. Enfin, pas fini en, en tout cas. Dénoncer ce qu'il euh, il dénonçait parce qu'à l'heure actuelle, il se passe encore. C est, c est juste... Dernièrement, il y a 3-4 jours, il y a eu des manifestations, des gens ont été tués parce qu'ils manifestaient par rapport à la vie chère et des injustices encore qu'il y a à l'heure actuelle. Et des gens sont tués à balle dans la rue. Donc c'est si ça qui fait résonner. En fait, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui en France, ça. on a le problème de vie chère. Mm. Il y a des gens, il y a des classes mm. euh, moyennes et plus euh, moins aisées qui, qui sont dans ces conflits-là. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas comme ça. C'est ça. Et puis, donc euh, moi, je me dis, si je vais, je vais. Et je vais forcément reprendre. Et ma mère, déjà, li... rien que l'idée de savoir que je vais y retourner, elle Attends me dit dis non. Ad, quoi. Oublie. Je dis non. Ouais. Oublie. Alors que mes sœurs, par exemple, elles ont toute la nationalité française. Moi, par exemple, j'ai gardé ma nationalité congolaise exprès pour y retourner. Parce que je m'étais dit si je reprends quelque chose là-bas, en arrivant avec la nationalité française, bah, ils vont me dire bah, Tu es français, qu'est-ce que mmh. tu veux nous donner de laissons alors que tu es une nationalité française Donc je me suis dit Je vais garder cette nationalité pour avoir un peu plus de légitimité. Mais même ma mère, rien que l'idée de s'imaginer que je peux y retourner, ouais. non. On va parler des pas. papiers un peu plus tard parce qu'il y a eu ce sujet quand tu étais au collège où tu as failli repartir au Congo mmh, à cause d'une obligation de quitter le territoire français. Euh, mais là, on parlait de, de, de ce qui s'est passé avec l'armée quand ils sont venus faire un deuxième coup de pression. Qui est mort dans ton, dans ton entourage Donc, donc l'armée, euh, un des amis de mon père, donc, les trahit, donc dit en quelque sorte, enfin, renseigne le gouvernement en place de Kabila en disant, ben. Bah, euh, il prépare encore un autre coup, un plus grand coup. Donc suite à ça, ben, un dimanche. Donc on, on, on entend, donc on entend les gens un peu euh, dans le quartier. Euh, toi t'es chez toi. Voilà. Ça, voilà. Donc nous c'était un dimanche. Donc on devait se préparer pour aller, parce que dans ma famille on est très croyant. Donc on se préparait pour aller à l'église. Donc on entend euh, les cris un peu. Donc euh, mm -hmm. très vite, donc euh, mon père comprend un peu qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc ah. il, il, il parce que déjà, on vivait déjà un peu, euh, comment dire, on vivait sous surveillance, on, on était euh, vraiment en, en alerte, aux aguets. Et donc, très vite, il comprend qu'il se passe un truc pas normal. Donc là, donc il dit à tout le monde, on y va, on part. Donc, euh, donc là, vous faites les bagages quoi Le projet, c'est de partir Même à pas, même pas. C'est-à-dire que, on, moi, par exemple, j'ai quitté le Congo, je crois, j'ai dû quitter le Congo avec un t-shirt. Et, et, et à l'heure actuelle, par exemple, pour te dire. J'ai même pas de photos de moi quand je gamin. Je... Toute l'adolescence t'as pas de photos de... de cette époque-là. En fait. Mais j'ai zéro souvenir de. Enfin, je sais même pas. Enfin, j'ai quelques traces parce que. Mon... Enfin, plus tard, je, je le dirai sûrement euh, quand ma sœur euh, la dernière qui nous a rejoint nous a ramené quelques photos, mais des traces de, de photos de moi bébé, je les ai. Mais gamin, ado, j'ai rien. Souvent, plus on que quand il y a des départs comme ça, mmh. ce qui est pris le plus souvent, c'est les photos. Ça. on va dire les bijoux parce que si on a besoin de d'avoir une monnaie d'échange c'est le mieux mais donc toi tu as des photos d'enfance de tout bébé rien. et c'est tout après t'as plus rien bah, j'ai rien j'ai on est parti avec de l'argent mon père en fait il, il a demandé à ma mère parce qu'ils avaient leur euh, un espèce de coffre où ils rangeaient tout donc euh, de prendre ceux qui devait prendre on est, mmh. est sorti comme ça donc on est sorti à trois véhicules d'accord donc euh, direction euh, l'ambassade euh, donc, euh, donc l'ambassade de l'Angola au Congo c'est ça. ça donc il y avait trois voitures donc un, 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 une, les, les gardes du corps devant d'accord ok nous euh, la voiture du milieu. milieu et donc il euh, euh, y a un troisième véhicule où il y avait le personnel de la maison enfin euh, euh, deux personnels de la ouais. maison qui étaient dans le troisième véhicule et donc on roulait comme ça, donc on partait, donc, euh, donc okay. eux ils sont arrivés à duvalure donc Donc l'armée réussi... arrive ou ça, ou ar ?– L'armée, l'armée, carrément. Donc ils ont réussi à stopper le, le, le troisième véhicule, donc euh, ils ont rafalé dans le troisième, comme ça. – C'est-à-dire qu'ils ont tiré ?– Vraiment, sur... en, en pleine journée comme ça, devant tout le monde. Et c'est pour ça que, même quand j'y pense, je me dis, mais c'est fou qu'on qu sait tout ça à l'heure actuelle. Et que ça ne change pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, certes, c'est un autre président, mais ce autre président, il, il, il reproduit exactement les, les mêmes choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on sait. Mais... Et dans la dernière voiture, il y avait, donc, tu disais, les gens du personnel de maison. Ouais, ouais donc, dont es... un que qui, qui, je passais beaucoup mon temps avec lui, parce qu'il s'appelait Sandra. Donc euh, c'était un gars, euh, j'avais beaucoup sympathisé avec lui, parce que ce mec-là, en fait, je restais beaucoup avec lui. Euh, quand mon père n'était pas là. Donc, euh, c'est lui qui m'a. Parce que mon père, il était très, euh, très à cheval sur les devoirs, sur des choses. Donc, euh, c'est Sandra. Donc, euh, lui, c'était un peu à la cool. Donc, euh, c'est-à-dire, il me faisait écouter du, 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 du Biggie ou du, du rap. Donc, euh, ouais. en fait, c'est les premières fois où j'ai écouté du rap, c'était avec ce mec-là. C'est un donc, grand frère, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas ouais, des, des, ce côté. Enfin, euh, un idéal un peu masculin. Ouais, quel. ouais, ton père n'était il... pas trop là. Donc, avais ça donne notre et, et puis, quand il était là, c'était devoir, parlons de tes études, tes notes, machin, donc euh, du coup vraiment c'était vraiment avec lui, c'était plus relax. Est... On dit un peu le good cop bad cop quoi. t'avais ton père qui était dur parce qu'il mm. voulait que tu réussisses et puis un peu après tu avais Sandra qui était es plus attente. Ta et lui tu es dans la dernière voiture. C'est ça. Et dans la rafale, vrai. il s'est retrouvé il... à C'est ça. Il... Vit, à mourir. Donc il est mort donc de ça et euh, donc on a... Enfin, on a eu la confirmation plus tard par l'ambassadeur du... de l'Angola au Congo. Donc nous on est du coup on a quand même réussi à s'enfuir donc on est arrivé L'ambassadeur où euh, ben bah, on est resté là-bas quoi. On est resté. Là vous êtes toujours à Kinshasa. C'est ça. Mais dans l'ambassade donc vous êtes un peu protégé par. Euh... C'est ça. Le fait que ben bah, lui c'est un diplomate qui il est intouchable en quelque sorte et que on peut pas venir chez lui comme ça donc euh, donc euh, grâce à lui donc on va réussir à, de, à sortir du Congo donc euh, il demande du coup à ce qu'on nous prête un enfin il fait affréter un avion euh, qui vient de l'Angola jusqu'au Congo pour nous récupérer et okay. donc euh, c'est là comme c'est comme ça qu'on sort du Congo. Donc là vous passez en Angola pendant un petit moment. C'est ça. Vous restez là-bas jusqu'à ce que finalement mmh. vous décidez de partir en France. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur qui va vous faire partir en France tous En fait, enfin, d'ailleurs. Il y a eu donc euh, pendant un temps pareil au Congo. Donc euh, il fait silence radio. Il nous prend même un, un prof particulier qui nous apprend le portugais pour vraiment essayer de s'intégrer euh, en donc, Angola. Est pour... Angola est oh. ancienne colonie portugaise. C'est ça. À Lawrence Luanda, eu la euh... capitale. Donc euh, on essaye vraiment de s'intégrer là. On, on apprend petit à petit des des, à parler portugais, les mots portugais, nouvelle voilà. vie déjà un peu. C'est ça, on commence à, enfin ça fait 3-4 mois, on commence à, on parle, enfin mon père ant anticipe tout ça en disant bah, ok, on va scolariser les enfants là, machin, donc on, on, on travaille sur ça. Et donc euh, en fait un journaliste qui est un, un peu un journaliste d'investigation qui va reprendre en fait ce dossier et qui va en interviewer encore à nouveau mon père. Donc ton père, fait. il s'est pas vraiment servi de leçon les deux moments précédents, où il s'est dit peut-être je suis maintenant je suis à l'étranger. C'est ça, en fait, je pense, il y a eu une forme de naïveté, enfin, il était naïf en quelque sorte, je pense, hein, après, je ne sais pas si vraiment c'était voulu comme ça. En tout cas, lui, il s'est dit, OK, je suis en Angola, je suis intouchable en quelque sorte, et je vais continuer à, à dire ce que je disais, et puis ici, personne viendra me chercher, quoi. Sauf que, Donc, sauf sauf que, que non. Il que des gens viennent me chercher. Sauf que non. Et euh, donc euh, le gouvernement cette fois-ci pouvait pas envoyer l'armée donc ils envoient une milice exprès. Donc euh, okay. euh, et là donc on était dans une dans un quartier résidentiel pour te pour te pour Toujours aussi peu... luxe enfin c'est un quartier un peu moins okay. parce que forcément donc on arrive dans un nouveau pays enfin c'est déjà c'est je on vit dans une des maisons de l'ambassadeur c'est même pas mon père qui achète cette maison là on vit on nous prête une maison okay, donc okay. Euh, vraiment on vit euh, dans cette maison là et, en attendant donc euh, du coup bah donc on est dans un quartier résidentiel où il y a plusieurs un peu maisons et villas qui se, qui, qui se suivent quoi. Et donc là donc un 4x4 comme ça noir qui s'arrête comme ça devant le, le portail donc et il Là rentre. vous commencez déjà enfin vous avez l'habitude des deux précédents. Vous êtes comment Vous êtes stressé Vous savez déjà que ça va Sur être Sur le coup, on se rend même pas compte parce qu'on était tous à la maison. Il y avait un, un, un gars à la porte. Ils l'ont, okay. ils ont frappé. Ils l'ont Enfin, ils ont ligoté. Ils l'ont mis par terre. Okay. Donc nous, on se rend même pas compte parce qu'on est vraiment à la maison. Donc euh, on discute comme d'habitude. On, on est en train de dîner. Tout se passe bien. Puis là, donc comme ça, des, des hommes cagoulés rentrent. Et là, donc euh, ils retournent toute la maison. Donc euh, ça part euh, très vite en termes d'agressivité. Ça monte parce que. Un d'eux va sortir de son arme, va, va le pointer sur ma, ma soeur jumelle et va lui dire, écoute en regardant mon père, en lui disant, maintenant tu vas voir tes, tes enfants mourir sous tes yeux. Et donc là, les cris en fait, de ma mère qui supplie euh, ces gens-là d'arrêter. Et donc euh, et donc honnêtement, là, le, le militaire à ouais. ta soeur mmh. en joue en mmh. disant qu'il va tuer les enfants les uns après les autres. Ouais, parce qu ce qu'il qu attend de ton père Il attend rien parce que l, l, le but, là, vraiment, c'était juste d'en finir mmh. et pour que, en fait, vraiment que ça soit fini qu'on qu en parle plus parce que pour eux en fait tant qu'ils seraient en vie ça ça va continuer donc, donc là, là pour coup, eux c'était pas une menace ils voulaient non, vraiment... vraiment ils voulaient vraiment en finir et fi en finaliser avec cette histoire et donc les cris machin le, le, le gars qui était resté dehors donc il est sorti dans la rue donc et okay. suite à ça donc en fait les, les, les voisins ils vont appeler la police donc ah, euh, ils ont entendu les cris et voilà, ils voilà vu ce donc qui ils passait. ont donc suite aux gardiens donc ils ils appellent la police donc eux bah, avec tout ce qu'ils avaient fait, le vacarme, tout ça, machin, Et ils entendent les sirènes. Donc euh, là, ils prennent, ils, ils prennent panique parce qu'ils savent que égale, ce qu'ils font. Voilà, hein, ils, sont ça, ça, une... ils sont dans un pays étranger, donc euh, ils savent qu'à tout moment, si on remonte sur eux, on va savoir qui les a envoyés, tout ça. Donc ils partent. On, on... Mais vraiment, je pense que c'était une question de quelques secondes. Ça, enfin, il y aurait eu encore quelques minutes de trop. Je pense que déjà, ma sœur jumelle ne serait plus de ce monde. Et d'ailleurs je, je sais que quand j'ai écrit ce bouquin et quand je voulu en parler euh, cette partie là je lui ai demandé la permission parce que je sais que elle vit mal euh, de, de, Elle elle veut même pas en parler c'est enfin elle, elle a fait un espèce de de', de, 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 des traumas, ouais, de trauma de où elle veut vraiment hum. faire comme si ça n'a jamais existé d'accord et c'est quelque chose dont vous reparlez aujourd'hui c'est des moments durs que vous avez mis de côté ou... Ça vous Alors, parfois de... on, on parle de, de notre de, du après, c'est-à-dire quand on est arrivé en France, comment on a vécu. Mais le avant, on n'en parle quasiment jamais, enfin Parce jamais que... d'ailleurs. Toi, tu Arrive en France de quelle manière À quel moment Là, c'est ta maman, elle, elle en peut plus. Oui. Elle se dit "Ok, maintenant, ça suffit, on part." Mm. C'était quoi le projet C'était pas la France à la base C'est ça. Donc, euh, suite à ça, le, ce soir-là, mon père, donc, euh, du coup, a fait appel à, euh, à l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur qui, qui lui dit "Écoute, okay, on va renforcer la sécurité." Et donc, mon père connaissait un peu des, des, des personnes euh, dans le milieu. Et il faut savoir qu'au Congo ou en Angola, ou même les familles généralement qui ont des moyens font appel à un à des passeurs ou à, des, gens, à des personnes qui, qui ont des contacts dans des ambassades pour obtenir facilement des visas. Donc en fait, Et mon père fait appel à un homme qui s'appelait José. En fait, ce mec-là, c'est un peu comme dans des jazz, enfin dans, ouais, dans des jazz C'est ça, qu'il arrive comme ça avec un rideau blanc comme ça, il pose comme ça en plein salon, il nous prend des photos, il nous fait faire des. Donc il... Vous mettez un par un. Pour ouais, faire une vraiment. C'est-à-dire falsifier est tous les documents. Ça. Il dit bah, dis-moi un prénom que tu aimes bien. Ok, ça va être ça ton prénom maintenant. Oublie le, le sien. Si on te pose la question, ça va être ça. Ton prénom Grace. Moi, c'est un choix. Non, moi, par exemple, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à, enfin en France quand on est arrivé, du coup en, en Europe, enfin en espace Schengen, je m'appelais Nelson comme Nelson Mandela parce que c'était le, le truc qui me revenait le plus fa facilement. Donc, je suis rentré en Nelson. – D'accord, Pour le parti provisoire en faux papiers, tu Parce que oui, pour remettre dans le contexte, c'est que en fait l'avion qui part de l'Angola euh, pour aller en Europe, en fait fait, un, fait obligatoirement l'escale au Congo. Donc euh, en fait, il ne faisait ça parce qu'il il disait que si en, en cas de contrôle, en fait euh, au moins on pourra nier en disant ⁇ ben non, c est, c est, vous confondez des personnes, machin ⁇ Et donc on, ça, ça donnait de la crédibilité à l'histoire, donc euh, du coup, il fallait qu'on s'appelle autrement. Et combien ça coûte Parce que vous êtes nombreux, vous êtes une famille ouais. où il y a cinq sœurs, il y a toi, il euh, y a tes parents. C'est ça. Euh, Est-ce que tout le monde part déjà Il n'y a pas tout le monde qui part non. Ton père et ta petite sœur restent C'est ça. En fait, José se trompe euh, dans les déclarations. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc il se trompe sur le nom d'une de, de mes sœurs. Et donc euh, elle s'appelait Merveille. Je ne sais pas ce qu'il avait marqué en tout cas. Le visa est rejeté pour ma sœur de merveille. Donc, mon père, automatiquement, dit, bah, je ne vais pas laisser une fillette seule ici, en, en, en Angola. Donc, je reste avec elle. Donc, nous, les autres, donc on part. Donc, euh, donc, on part avec José, qui se fait passer, du coup, pour le coup, pour un, un, un mari. José, euh, il euh, venait d'où C'était quelqu'un que vous connaissiez Quelqu'un de... On connaissait pas, militaire. mais c'était un gars comme ça, qui, qui vraiment, sa spécialité, c'est d'obtenir des visas, faire sortir des personnes, quoi. Et combien... En tout quoi, Combien ça vous coûte ça Parce que c'est un coût, on voit aujourd'hui, oui, c'est des grandes sûr. discussions, les passeurs, même dans des, dans des sphères beaucoup plus euh, classe moyenne et plus mmh, basse. Bien sûr. C'est un vrai sujet. Combien oui. ça coûte, vous, en Alors, nous, je me rappelle que ma mère a payé 13 000 dollars, donc à l'époque. Et 13 000 dollars, donc c'était beaucoup, 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 ouais. beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, ils ont donné 13 000 dollars comme ça. Ils ont sorti quasiment leurs économies qu'ils qu avaient, quoi. Donc, ma mère, elle avait gardé encore un peu d'argent et un peu de, de ses bijoux, au cas où. Donc, mais en tout cas, le, la, la quasi-totalité de leurs économies, ils en donnaient à ces José. Et donc là, le projet, c'était de partir en Europe, en espace Schengen, comme ça. tu dis. Mm. Vous arriviez en Belgique, c'est ça C'est ça. Donc, il a obtenu des visas pour la Belgique. Okay. Parce que nous, l'objectif, c'était d'aller en Suisse, mais il n'avait pas de contact en, dans l'ambassade suisse. Il avait des contacts pour l'ambassade en, en France et la Belgique. Donc, il a obtenu donc, un visa pour la Belgique. Okay. Donc, on part du coup de l'Angola pour la Belgique pour ensuite part, aller en, en Suisse. En Suisse, parce qu'il y avait des cousins, ça, de ton père C'est ça. Donc, père. Euh, on, mon père avait de la famille en, en Suisse, donc l'idée, c'était d'aller chez sa famille à lui et de rester là-bas. Donc l'idée, c'était d'arriver en Belgique, ça. de passer par la France et d'arriver en Suisse pour trouver la famille. Ça. Ça. Mais sauf qu'il y a un problème, c'est qu'arrive à la gare de Colmar, c'était oui. votre escale, oui. c'est là qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là bah En fait, nous, déjà, José ne nous briefe pas. Donc, on arrive, c'est en fin octobre, il fait super froid. Mmh. Donc, nous, on, tu, ah tu oui, imagines, oui. en Afrique, forcément, il fait chaud. Non, on arrive en t-shirt-chemise. Colmar en plus. Ouais, hein. bah on donc... <laughs> a migré, euh, la région de Gadreur Thibault qui est là. Colmar, ce n'est pas la région connue pour son soleil. Ouais, voilà. Non, mais <laughs> on arrive, on était en t-shirt-chemise. Donc, nous, on sent. On, 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 on s'imaginait même pas le, le temps qu'il faisait. Donc on arrive, on a super froid. Donc on, bon, avec l'argent qui restait, donc il, il demande à ma mère pour nous acheter des vestes. Donc on, on a des vestes. Donc on arrive à Colmar. donc il, Et on sentait José un peu... Donc déjà le trajet de la Belgique en, à Colmar, on le sentait un peu distant. Au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans, dans le trajet, on, il était hyper distant. Stressé. Stressé ça que... à répondre toutes les deux heures au téléphone. Il y avait toujours quelqu'un qui l'appelait. Donc il était une, après, pour le, pour le coup, nous, nous déjà, on, on y pensait même pas, on n'y pensait pas. Mais avec le recul, on, on, on se rappelle. Du coup, on se disait, ah oui, c'est vrai que ça, il y avait ça qui n'était pas normal. Ouais. Donc, du coup, on arrive à Colmar et donc il demande à ma mère, naturellement, il dit, écoutez, ici à Colmar, enfin ici en France, on utilise euh, en Europe, on utilise l'euro. Donc vous avez, des, on avait des dollars américains, donc on l'avait payé en dollars américains. On avait encore des dollars américains. Il dit, ben bah, donnez-moi ça, on va les on va, je vais les changer en euros. Et euh, donnez-moi vos bijoux, je vais aussi m'en occuper et voir si je peux, du coup. Donc là, vous êtes à Colmar. Donc vous on vous est à Colmar. Il bijoux, dans et vous demande Dans, dans, tout. dans, ouais, dans et une vous gare. Vous vous doutez de rien Et oui, nous, on se doute de rien, sachant qu'on lui fait confiance. On, on se dit, bon, dans tous les cas, c'est lui qui nous a amenés ici. Donc ouais, ouais, ouais. Euh, il C'est lui qui a nos passeports sur lui, c'est lui qui a. En fait, c'est lui vraiment qui fait, à chaque fois qu'on doit acheter un billet ou quelque chose, c'est lui qui, qui va à chaque fois faire les choses. Donc vraiment, c'est. Il discute avec les gens, voilà, si c'est une ça. question, c'est lui qui va la poser, vous, vous êtes vous suivez en fait. Nous, nous, on le suit vraiment les yeux fermés. Donc du coup, on arrive à Colmar, donc il, il nous demande en disant bah, écoutez, donnez-moi ce que vous avez, et je vais aller changer ça. Donc il prend, et là, il disparaît. Il disparaît, on reste dans cette gare, donc on est arrivé aux alentours de 8 h du matin à 9 h. Sachant que ma mère, à l'époque, donc elle venait d'accoucher en Angola. Et donc, elle avait un bébé d'à peine 6 mois. Donc, on est resté là, dans cette gare, de 9h jusqu'à 20h. Et personne. Toute la journée, vous attendiez José, en fait ouais. qui... Donc, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Donc, on attendait, on avait faim. La petite dernière qui pleurait. Forcément, bah, on est resté là, à attendre. Et puis, en fait, il euh, y avait un monsieur qui... qui tu sais, il y a des personnes, personnels d'entretien oui, qui arrivent comme qui ça, c'est de... qui gère la gare. Et donc, ce monsieur arrive et nous dit Mais euh, vous, vous attendez quelqu'un parce que le dernier train vient de partir. Et donc, on le regarde, on dit Mais euh, oui, on lui explique un peu la situation. Il dit Ok, euh, bah, écoutez, euh, on, attendez encore, mais là, en tout cas, le dernier train vient, vient de partir. Donc, oui, il se dit qu'il est venu le matin. C'est ça. Donc, euh, il continue de faire euh, ce qu'il fait. Donc, euh, il revient une heure après. Il nous dit Il est 21h, par contre. Euh, il, il faut il partir. Il ouais, faut partir, donc euh, il y aura. Il y aura il n'y aura plus de train. Donc... Et donc, euh, il nous dit, écoutez, dans tous les cas, venez avec moi, vous allez dormir chez moi. Il vous a invité et chez lui. Et vraiment, il nous... Parce que et vous a... êtes comme, si vous êtes tombé, il y a ta maman. C'est ça. Il y a ta, ta soeur. C'est ça. Est un... ça. On... quatre soeurs, ta maman et toi. C'est ça, on est six. Donc, euh, et donc, euh, c'est pour ça que j'espère, même euh, en passant dans cette émission, en espérant les... la magie des réseaux sociaux, pour pouvoir le retrouver. Ce monsieur, il s'appelait Leïta. donc c'est un malien, lui, il avait quitté aussi son pays suite à, à des problèmes politiques. Donc, euh, il avait laissé ses deux enfants, ses deux garçons avec sa femme. Donc, il, il attendait pour un regroupement familial pour que il puisse le rejoindre. Et donc, Leïta nous a dit, ben, venez chez moi naturellement. Donc, euh, et, et puis, il, il a compris donc, ce que vous viviez, en fait. Il s'est dit... Euh, c'est ça. Et vrai, pour de... lui, en tout cas, il, lui, pour lui, c'était clair que le, les, euh, José ne reviendra pas. Donc, il nous a dit, ben, moi, je pense qu'il ne reviendra pas. Mais nous, on disait, mais non, c'est impossible. Il va revenir, donc il dit Bon, en attendant, vous ne pouvez pas rester à la gare, mais venez avec moi. Et puis demain, on reviendra à la gare. Et puis voilà. Donc euh, il nous a pris chez lui, donc on a, il nous a hébergé chez lui. Le lendemain, on s'est représenté à la gare, enfin, on attendait encore. Donc, vous euh, étiez à tout moment, José va revenir C'est ça. Ou... On se disait encore, on croyait encore que José allait revenir. Et puis après, on se rend compte que bah il se passe toujours rien. Donc il est quasiment. On est là, euh, on s'est pointé à 9 h ou 8 h, donc il ne se passe rien. Donc... Et puis il nous amène au commissariat. Et donc, on explique la situation. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, au commissariat enfin, bah, que vous arrivez vous n'avez pas de papier Pas d'argent Pas d'affaires le... avec vous C'est ça, c'est exactement ça. Le, le gars qui nous reçoit, il nous regarde, il nous dit... Bah, de... Enfin, il nous pose une question d'ailleurs trop, trop bizarre, parce que du coup, sur le coup, vraiment, on, on s'est dit, mais il fait exprès ou quoi Il nous dit, bah, une pièce d'identité pour prendre une dépôt de plainte, mais on n'a rien. On n'a rien, donc du coup, bah, il dit, je ne peux pas traiter votre dossier, donc... Et là, donc, il appelle du coup un centre de demandeurs d'asile. Donc là, on est redirigé du coup vers ce centre de demandeurs d'asile. Donc Sachant que ça faisait du coup déjà plus de 24 heures où on n'avait pas donné de suite à mon père, parce que c'est José encore qui avait le téléphone. Donc, là, ton père, euh, il ne sait pas ce qui se passe Mon père, il ne sait pas ce qui se passe, il n'a pas aucune nouvelle. Nous, on n'a pas de nouvelles de lui, donc euh, on reste comme ça. Et donc, c'est José qui, 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 qui nous amène, enfin, nous accompagne, donc... Euh, et donc là, on est pris en charge du coup par un centre de demandeur d'asile euh, du coup euh, à Colmar. Tu m'as parlé d'un sujet. Alors toi, mm. tu travailles dans la cuisine aujourd'hui. Mm. Quand tu arrives à Colmar, qu'on vous place donc, dans un petit appartement en 30 mètres carrés, mm. vous avez un problème avec la nourriture. Oui. A... C'est un vrai sujet quand même, parce que ouais. ce n'est pas la nourriture que tu connaissais. C'est exactement ça. On arrive à Colmar, donc euh, ben, on ne connaissait rien. Nous, le seul fromage... On connaissait, bah, c'était la vache qui rit. Donc là, on nous donne... Là, du Congo, avais la... il y avait la vache qui c'est ça. ça la vache qui c'est le seul fromage <laughs> qu'on connaissait dans la famille. Donc... Et puis là, on nous donne du flamme on nous donne du mustard, on nous donne du du, du, muster, <laughs> donne du, 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 du... Des, des fromages, du camembert, on connaissait pas. Pour nous, en fait, on pensait qu'on nous donnait des aliments pourris et qu'on nous donnait exprès. Parce que comme on allait chercher, du coup, dans, euh, dans, dans une association, on se disait, bah, peut-être que c'est les choses pourries qu'on nous donne et que... Et que personne n'en veut, donc on nous donne à nous, sauf qu'on ne savait juste pas comment l'utiliser, donc on jetait la plupart des aliments. Et donc, vous, vous du poids. Donc on a perdu quasiment 10 kilos chacun quand on est arrivé en, en France. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Ouais, parce qu'on mangeait quasiment rien, parce que bah, le peu qui restait, du coup, on se partageait ça à 6. Et donc du coup, on a perdu 10 kilos chacun. Et après, vous êtes habitué à la nourriture petit à petit. Ouais, et puis après, en fait, une assistante sociale un jour nous a vu jeter, mais il dit pourquoi vous jetez ça On dit ben bah, c'est pourri. Il me dit mais non, c'est pas pourri, c'est ça se mange comme ça. Donc on découvre <laughs> en fait les saveurs, les, les, les fromages, les, 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 tout ça, flamme-cuche. On savait pas que ça se faisait cuire au four. Enfin, nous pour nous, c'est un peu nouveau tout ça. Donc du coup, on, oui. on, faut s'habituer aux saveurs, des choses comme ça. Et donc euh... elle arrive en France avec le cuche et, euh, ouais. et le Munster, Elle est quand même. C'est que... ça. Et après, ta vie, euh, on parlait de Marseille tout à l'heure. Oui. Ta vie change parce que vous allez aller à Marseille. C'est ça, que vous en pense. ensemble. Oui. Ton père et ta petite sœur ne sont pas encore là, vous, vous n'avez pas encore rejoint. Euh, comment ça se passe ton arrivée à Marseille Ton père est au courant Vous allez où Alors, donc on arrive donc euh, donc plus tard, donc on arrive quand même à joindre mon père. Donc on lui informe que les assurances sociales, euh, pour te remettre un peu dans le contexte, les assurances sociales choisissent là où il y a de la place pour accueillir les personnes. Et donc où il y avait de la place, c'était à Marseille. Et donc on nous a envoyé euh, automatiquement à Marseille. Donc on arrive et là on est récupéré par une autre euh, équipe d'assistance sociale qui nous place dans un appartement un peu plus grand cette fois-ci. D'accord. Et donc euh, là commence du coup les démarches pour nous inscrire, nous scolariser parce que du coup on était sans papier. Parce que normalement à cet âge-là, tu avais 12-13 ans. C'est ça. C'est la cinquième. C'est ça, la quatrième euh, pour 4e, moi. 4e. Et donc euh, du coup en fait, euh, bah, l'école, il euh, y avait quasiment aucune école qui, qui voulait nous inscrire, euh, en fait, de nous recevoir parce que déjà on arrivait. À... Au cours de l'année, et en plus de ça, on était sans papier, donc c'était compliqué en fait. Donc, euh, malgré ça, les assurances sociales, donc, ils ont dit "Bah, les enfants, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils restent à la maison, ils peuvent pas rester comme ça." Donc, ils, on a, donc, ils arrivent à nous inscrire au collège Longchamp. D'accord. Euh, pour moi et ma soeur jumelle et ma, ma petite sœur joviale. il y a un événement qui se passe au collège Longchamp, assez important, c'est qu'on on... On vous ordonne, on vous envoie une ordonnance de quitter le territoire français, c'est ça C'est ça. Donc en fait, on nous fait une demande d'asile. Donc suite à ça, donc je, je sais pas comment c'est traité, en tout cas les, les, les dossiers. Donc on reçoit au QTF donc obligation de quitter le territoire. Et donc ça, ça veut dire, c'est que ça veut dire, c'est qu'on avait deux mois pour du coup partir, retourner au Congo. Alors que vous scolarisé, alors, alors qu que vous avez vu, voilà. vous êtes bons élèves en plus. C'est oui. ça. Donc les, les profs trouvaient que bah, c'était injustifié. Donc sachant que bah, les connaissant l'histoire, connaissant tout ce qui se passait, donc ils se disaient, donc, non, pourquoi les enfants doivent partir Donc euh, du coup, là, <laughs> il y a eu une, une manifestation, mais euh, les, il, y a eu, il y avait des blocus, les profs faisaient carrément des blocus bloqués pour qu'il n'y ait pas... Pour, pour votre histoire, ils se sont pour engagés histoire. pour... C'est ça. Okay. On a eu un réseau, en fait, un réseau d'éducation sans frontières, c'est un réseau de profs qui se sont mobilisés en disant, ben, on ne veut pas que cette famille parte. Et donc suite à ça, donc en, ils ont eu euh, ils ont bloqué, ils ont organisé une manifestation, ils ont invité des parents d'élèves, donc euh énormément de monde, on y avait plus de 500 personnes, c'est okay. donc un, un mercredi, et donc du coup ils ont ils ont défilé et nous on était hyper gênés avec ma <laughs> mais je me rappelle avec ma mère et mes soeurs, on on se disait mais pourquoi ils font ça pour nous ouais pourquoi ils font ça pour nous ils, ils nous connaissent même pas donc euh, et, et on, ils nous disaient bah, mettez-vous devant machin il y avait des journalistes ils disaient mettez-vous devant on va aller jusqu'à la préfecture et nous on était là mais ils nous disaient, mais, on nous disait on n'a pas enfin on veut pas ça nous on veut juste rester euh, en mode dis discret donc euh, du coup on est arrivé devant la euh, sous-préfecture. Et là, ils, les profs se sont menottés carrément devant les barrières de la préfecture. Ah oui, ils ont fait une vraie opération. Vraiment, hein, une vraie opération. plus gros disant... que vous-même, en fait. C'est ça, quoi, si vous dépassez. Et nous, on était là vraiment en retrait en disant, mais pourquoi ils font tout ça donc, euh... Et aujourd'hui, je pourrais jamais leur rendre tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ces personnes-là qui ont... Parier sur nous en quelque sorte, ils ont parié sur l'avenir en disant bah ben, nous on veut que ces enfants là restent en France parce que c'est eux l'avenir et c'est eux du coup ils nous ont portés comme si on enfin ils nous connaissaient depuis un moment quoi. Donc suite à ça ben ils ont été reçus par le préfet donc, donc le toi, préfet vous êtes passé à la préfecture ça fait un gros coup d'éclat enfin médiatique quoi et on vous donne des papiers français à ce moment-là ou pas encore même pas donc le préfet dit Allez-y, écoutez, j'ai pris note, je vais réfléchir. Donc en attendant, j'enlève le QTF, et je vais réfléchir sur la situation, je vais regarder le dossier de prêt. Donc un mois après, donc, on, ils reçoivent un, donc les profs reçoivent un recommandé. Et donc ah. pareil, donc ils, ils regroupent tout le monde au, au Collège Longchamp. Donc, okay. Et moi, j'arrive, je me rappelle encore, j'arrive avec des écouteurs, je me mets au fond de la salle parce que je me dis, si c'est une réponse négative, je ne vais pas entendre ça. Donc Et là, les, tout, donc, tout le monde est... est et en mode silencieux, hein, vraiment, il y a une ambiance qui, qui pèse dans la salle. Donc, euh, on attend de savoir. Donc, il y a un des, des profs, donc, Simon, il s'appelait. Il ouvre euh, donc, le recommandé, il lit ce qui avait marqué. Donc, euh, et là, la nouvelle tombe. Donc, le préfet nous avait accordé, du coup, euh, le titre de séjour en euh, tant que refusé de, de rester en France. D'accord. Et donc, à mmh. ce moment-là, pour vous, c'est la fête C'est un une libération. Ans. Mais tu n'imagines même pas, je me rappelle, ce soir-là, <laughs> je suis resté avec mes meilleurs potes qui sont encore mes meilleurs potes à l'heure actuelle. On est resté dehors à, à jouer au basket jusqu'à tard le soir, jusqu'à 22h, parce que c'était une forme de libération, c'était un soulagement. Mmh. Mais ça y est, enfin, on pouvait dire que ok, là, on, on est sécurisé en quelque sorte, on va pouvoir du coup vivre une vie normale. Ah oui, Donc, une mmh. vie que qui était un peu instable jusqu'à présent, parce que ça. ça pouvait s'arrêter à tout moment si tu devais repartir au Congo, mmh. où tu n'aurais pas été bien ben, un accueilli en plus. Est ça. Ton père, était, ton père était encore là-bas à ce moment-là? Oui, il était encore là-bas. Donc, mon père nous a rejoint bien plus tard. Donc, euh, vraiment bien plus tard. Donc, une fois qu'on a eu nos papiers, donc ma petite sœur nous a rejoints. Donc, euh, quelques deux ans après, donc elle nous a rejoints. Et puis, mon père et lui, il est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. D'accord. Tu as, as enchaîné sur des études après après collège, après lycée. Euh, fais pas mal de sacrifices. Tu, mmh. tu voulais faire la Kedge School. C'est une école de business, de business commerce, c'est ça C'est ça. Et comment c'était quoi ta vie T'avais les cours plus du travail à côté. C'est ça. Donc, financer, euh, en fait, de commerce, on fait commerce. C'est ça. Donc, ma mère n'avait pas forcément les moyens. Donc, ce que je faisais, c'est que le, la semaine, je bossais euh, chez Burger King le soir. Donc, euh, j'avais le cours la journée. Donc, le soir, j'allais bosser chez Burger King. Et le week-end, bah, je bossais chez Ikea pour faire des extras pour pouvoir payer du coup, combiner payer du coup l'école et donc euh, pas du temps de temps de l'école. Tu n'avais eu aucun temps ça. libre en fait. C'est ça. <laughs> ok. Et t'as obtenu ton diplôme Ouais, j'ai ouais. euh, eu mon diplôme avec des sueurs et des larmes, mais je l'ai eu. Ouais. Et donc, ce diplôme, tu servi à quelque chose En fait, tu es parti sur la cuisine après, un peu de temps plus tard. C'est ça. Est-ce que c'était l'objectif déjà de ce diplôme-là Tu voulais aller dans un milieu de culinaire ou tu avais un autre projet Non, moi, j'ai toujours voulu faire un peu comme mon père, c'est-à-dire avoir mon... Mon... mes affaires, mon entreprise. Oui, donc, business, euh, du quoi. coup, en fait, j'ai fait une licence en gestion okay. euh, d'entreprise. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de créer quelque chose, en fait. Donc, euh, au début, je me suis lancé dans une start-up dans le tourisme. Et puis après, en fait. Très vite, j'ai été rattrapé par la cuisine. Donc, euh, parce que ma maman bah, m'a transmis cette passion pour la cuisine. Et puis après, j'ai fait mes écoles aussi en tant que manager responsable dans ma cuisine, euh, notamment chez Burger King, Vapiano, tout ça. J'ai bossé dans, dans toutes ces enseignes-là. Donc ça fait que bah, plus tard, j'ai voulu continuer dans, dans la cuisine. Quoi. Il y a un événement. En mmh. fait, tu te retrouves à être manager d'un restaurant. Oui. Je sais pas si c'est une chaîne ou c'est un restaurant particuli particulier qui s'appelle Crocorico. C'est ça. Et il y a un événement qui se passe avec un client qui a entraîné un peu un déclic de ta part pour créer ton propre projet. C'est ça. Pour en remettre un peu dans le contexte, du coup, c'est un week-end des décembre où il y a du monde, vraiment, c'est la période des décembre où tu sais comment c'est bondé les centres commerciaux. Et donc là, les équipes, on n'avait pas de pause. Et donc, je vois deux messieurs s'avancer devant moi. Donc, euh, au bout de 8 heures, 8 heures de rush d'affilée, j'ai demande à mes équipes, écoutez, prenez une pause. Je reste en caisse, comme c'est un peu calme. Okay. Je vais gérer la caisse et la cuisine. Et donc, euh, ils partent en pause, et donc je vois ces deux messieurs s'avancer euh, devant moi. Et euh, devant l'enseigne, en fait, il y avait marqué Croque monsieur et français. Donc, euh, crocorico, croque monsieur et français. Et donc, ces deux messieurs s'approchent euh, de moi, me regardent, ils me disent euh, Croque monsieur français, vous n'avez pas l'air d'être un français. Et là, ils il explosent de rire devant moi. Et en fait, j'étais si, tellement fatigué de la journée que je ne savais même pas quoi répondre. Et je leur ai dit juste que je suis fermé. Ils se faisaient rire à leur propre blague raciste. Ouais, donc eux, pour eux, c'était drôle. Croque-monsieur français, vous n'avez pas l'air d'être un français, c'était super drôle pour eux. Et donc, du coup, en fait, suite à ça, je me suis dit, bah, je vais créer quelque chose qui, correspond, qui, qui me correspond, qui est à mon image. Et donc, de là est né le projet, le concept Mama Nelly. Parce que tu en reparles le soir avec ta famille, toi, tu mmh. rentres, tu as ça. eu cette journée de merde de décembre, mmh. tu termines ta journée en remplaçant des collègues, tu as un gars raciste qui vient de faire une vanne parce que c'est un croque-monsieur français et qui mmh. te dit euh, par rapport à. À ta couleur que tu l'es pas, il insinue ce truc-là. Tu rentres le soir, qu'est-ce qu'elle te dit, ta, ta, ta mère, tes soeurs elles en, Vous en parlez ma, me, ma mère, elle est, elle est un peu dure. Hein. Elle me regarde, <laughs> elle me fait euh, ben, si, tu, tu bosses pas, enfin, si tu bosses pas sur tes rêves, quelqu'un d'autre te payera pour bosser sur, euh, sur, les, siens. sur les siens. Et donc, euh, du coup, cette phrase, ça a tellement résonné, ça a été une claque. Elle m'a dit Mais bah, tu as toujours eu plein de rêves, pourquoi tu ne bosses pas sur le sien Et donc, euh, du coup. Ce soir-là, je n'ai pas, pas dormi, j'ai réfléchissais. Ok, comment je pourrais faire Donc, du coup, là, le projet est né. Donc, Maman Elie, je me suis dit, là, c'est, ça y est, c'est bon. Donc, je vais reprendre les recettes de ma maman, je vais le revisiter, étant donné que j'adore cuisiner. Et qu'en plus de ça, je l'ai déjà aidé parce que ma, mère, ma maman a été, à un moment donné, quand on est arrivé en France, donc elle a fait tout ce qui était mariage euh, traiteur de mariage. Ok, donc elle cuisinait, tu l'as toujours vu cuisiner C'est ça, ma mère, elle détestait l'idée de l'enfant roi, comme j'ai cinq sœurs. Elle détestait ça. Donc, pour casser les codes, ce qu'elle faisait, elle disait à mes sœurs, asseyez-vous. Et c'est lui qui vient cuisiner avec moi. T'es le seul et en plus. C'est ça. Et moi, je détestais. C'était horrible au début. Vraiment, je détestais ça. Je disais, mais maman, pourquoi moi enfin, Elle disait, non, les filles, vous asseyez, tu viens cuisiner. Et de, donc, euh, je cuisinais. Et j'apprenais comme ça. Et des fois, même quand je faisais, on faisait à manger pour toute la famille, elle me disait, tu vas cuisiner avec moi pour toute la famille, tu débarrasses, tu fais la vaisselle. Et mais, elle disait à mes sœurs, vous restez devant la télé. Et moi, je détestais ça. Aujourd'hui, bah, Merci maman, quoi, <laughs> pour toutes et, ces leçons. Et ce restaurant que tu vas ouvrir, tu vas l'ouvrir ce, enfin cet été à Marseille, c'est ça C'est ça, c'est ça. Il s'appelle Mama Nelly, c'est le prénom ta maman c'est ça, Nelly, c'est son prénom. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de donner du coup ce nom-là à la maman Et puis après, il y a aussi une forme, une volonté sociale par rapport à ce projet de redonner du coup du travail à des, à des postes de responsabilité à des femmes au-delà de 55 ans, par exemple des postes à des responsables de salle, des responsables de cuisine. Je me suis dit, c'est une femme, façon aussi de valoriser la femme, parce que sachant qu'une femme, quand. Bah, elle a une carrière un peu saccagée en quelque sorte avec la maternité donc ouais. pouvoir donner du coup à, à, la possibilité à ces femmes là donc de retrouver un emploi à, à des postes avez... à, voilà c'est ça à des postes et, et, plus... et ce restaurant qu'est-ce que tu vas y faire c'est la fusion euh, Congo euh... Marseillaise, tu vois, est-ce que ça ouais. mélange de bouillabaisse et de plats congolais C'est quoi que tu veux Alors ce que je vais faire dans ce restaurant, c'est de revisiter juste simplement les recettes de ma maman avec euh, moi des acquis que j'ai eu aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, j'adore le mustard, aujourd'hui, j'adore d'autres fromages. Donne-nous une recette qu'on <laughs> qu peut trouver chez Maman Ben, bah, On peut trouver par exemple un suprême de poulet assaisonné aux 7 épices de la maman avec... Bon. Euh, voilà, on va, arrêter là, on et coco. va, on va y aller. On va aller chez Maman <laughs> Et euh, Et ton... comment tu vois la France maintenant aujourd'hui T'as un recul, t'as 30 ans aujourd'hui mm -hmm. Euh, tu disais à plusieurs reprises dans l'émission, euh, je pourrais jamais leur rendre. C'est ouais. quoi ta vision de la France aujourd'hui La France, c'est mon, c'est un peu comme mon père. La, 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 le Congo, c'est un peu comme ma maman. En fait, je pourrais jamais choisir en disant j'aime autant, enfin j'aime plus mon père que ma mère. Enfin, pour moi, c'est la France m'a tout donné aujourd'hui. Je, je suis hyper reconnaissant parce que aujourd'hui, la vie que j'ai, la vision que j'ai, j'ai une sœur qui est ingénieure en data science, une autre qui est manager. Enfin chacun il y en a même une autre qui a créé sa propre marque de, de, de vêtements textiles euh, euh, africains et tout ce qu'on nous a donné aujourd'hui je pourrais jamais le rendre parce que et, et je, je me rends compte de la chance que j'ai et, euh, et je me dis encore merci par rapport aux personnes qui ont cru parce qu'il fallait y croire en 2006 c'était surtout ça parce que eux ils ont cru ils ont vu ils ont été visionnaires en disant bah cette famille là ces enfants là vont être un plus pour la France et ce que j'aime moi quand je pars je pars dans des, je partage mon, mon expérience, ou même quand on, on débat sur l'immigration dans des lycées, dans des facs, j'ai dit que ben, l'immigration, c'est un, un, un plus. C'est généralement pas choisi, mais c'est un plus. Aujourd'hui, ben, j'apporte de la valeur ajoutée. La France m'a donné cette valeur ajoutée. Aujourd'hui, tout ça, ça, ça crée de l'emploi, ça crée des, 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 des richesses, des souvenirs, des échanges qu'on qu a maintenant. Et donc, euh, tout ça, ça fait que ben je suis tellement fier d'être Français et Congolais en même temps. Donc, euh, aujourd'hui, je, je, je pourrais jamais... Euh, je J'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens, donc euh, je me sens très français. Donc je suis arrivé par hasard et je suis resté par amour. Et tu l'as raconté euh, très très bien dans ton ouais. livre, qui s'appelle Le voyage de toute une vie. C'est ça. Kinshasa à Marseille, aux éditions Gossen. Ouais. Donc il est 2021 le livre, mais en fait euh, c'est une histoire, c'est une histoire de film. C'est ça, et puis bientôt. Donc, lit, euh, y a un côté bien, un peu cinéma, tu vois. Ben, ben, bientôt, c'est le projet, je suis en train de travailler pour l'adapter euh, sur grand écran. J'ai demandé ce qu'on peut te souhaiter, c'est ça en fait. C'est que ton histoire, ça. elle trouve. Euh, Preneur en production. C'est exactement ça. <laughs> ben Grace, je te remercie. Euh, Merci à toi. Voilà, je vous remercie aussi d'avoir suivi l'émission. Moi, c'était Sébastien, donc pas Guillaume. Voilà, ça change un petit peu. Mais euh, très heureux d'avoir animé cette émission. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est, on est sur Facebook. Oui, il y a encore des gens sur Facebook. J'y suis sur Facebook. Donc euh, voilà, likez notre émission, partagez en masse l'histoire de Grace et l'histoire de tout ce que vous pouvez voir sur, sur Légende. Merci à tous et à très bientôt.